السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا تنين كاف تاء فاء فاء، القناة الذكية في خدمة المقاومين والمجتمع بصفة عامة، التي ستحاول في ظرف 15 دقائق الإضاءة على المشاكل التي On peut pas attendre. Là, il faut absolument vous montrer qui est derrière cette voix extraordinaire, ce personnage, cet arabophone. C'est Karim Brouri. C'est moi exactement, Karim Brouri. Ça va et toi, Karim? Bien. Ah bah écoute, super, super. On est réunis tous les deux là pour cette petite émission. Une petite qaïda, oui, tranquillou. Dans la joie et la bonne humeur. Et le traïd, comme d'habitude. Comme d'habitude, mais quand même avec des choses sérieuses. Non, des choses qui pourraient être sérieuses. Très, très sérieuses, mon cher ami. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Comme disait l'autre. Alors, plus sérieusement, notre chaîne elle s'appelle 2K ROI. 2K pour bien sûr les deux Karim, mais aussi 2K, et on vous comprendrait avec un peu plus, plus dans le détail plus tard. Mais surtout le ROI pour R pour réflexion, O pour opportunité et I pour idée. Alors, je sais plus dans quelle langue il faut parler. Hein. T'as vu, je parle de opportunity, réflexion, opportunité, idée, réflexion, l'idée est là. Opportunity and idée. Ou, je me rappelle quand on travaille, quand on est sérieux, t'as le tfkir, fa les forces ou fa les fikra. Yani, le canet tnin kef ta fa. Excellent. Donc, on s'est réunis aujourd'hui ensemble pour discuter d'un premier sujet et on aura 15 minutes. Donc cette première, on va essayer de gérer le temps. Je crois que ça va être le premier challenge pour nous deux, n'est-ce pas Karim? Complètement, complètement. Première étape, peut-être expliquer, mettre les bases, pourquoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc trois éléments clés, une réflexion, une réflexion finalement c'est un cas de figure. Tu vois, un cas de figure, tac, petit clin d'œil. La prochaine fois, on rajoutera les effets spéciaux. Donc, un cas de figure, une actualité, quelque chose qui nous interpelle finalement, autour duquel on va avoir une réflexion. Tiens, ça veut dire quoi? C'est quoi? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on pourrait? Etc. Et de ce fait-là, générer des idées pour l'entrepreneuriat, pour l'entrepreneur et pourquoi pas pour une entreprise par la suite. Enfin, je veux dire, je pense que toi et moi, nous avons souvent des idées qui nous passent par la tête suite à une lecture, un vécu, quelque chose qu'on vit. Et puis à partir de là, on génère des choses. Par contre, on n'a pas toujours le temps d'y travailler ou de les concrétiser en tant que projet réel. Et donc, notre émission a pour objectif d'étaler cette idée. Donc, ça va être un gros brainstorming, peut-être avec un peu de méthode, peut-être avec un peu avec un caractère peut-être un peu plus structuré, si tu veux, et en espérant inspirer les entrepreneurs. C'est vrai. L'idée est claire et sur ça. Je reviens juste à ce que tu disais, c'est qu'on est quand même des gens un peu sérieux. On est connu pour être un peu méthodologique aussi. Je pense qu'au fur et à mesure des émissions, on pourra aussi se représenter plus dans le détail pour que les gens apprennent à nous connaître, pour les personnes qui ne nous connaissent pas aussi. Mais on va utiliser des mots, des concepts qui sont parfois scientifique, parfois business, parfois pop culture ou culture pop. Et on va essayer aussi de faire quelques petites vidéos. Donc c'est pour ça que quand tu as dit que le début, nous avons fait des vidéos, je crois que 15 minutes à Kaya. Tu as fait des petites vidéos, des capsules, 2 minutes maximum. Je ne fais à chaque fois un concept bien précis qui m'a dit que je suis un business model ou tout simplement que je suis un business digital, un business startup. Donc, هاد الكلمات اللي دخلوا في الهضره تاعنا تاع كل يوم حنا سورتو في الشركات والمقاولين il faudrait qu'on puisse aujourd'hui نتفاهموا على واش معناتها حنا لينا ميم ولا هاد لا ديفينيسيون يعني لي ليميتي علينا حنا لي الجزائريين سي با تري غراف on aura au moins un début de compréhension unique pour nous au sens unique c'est ma
tous ensemble de la même manière. Synchronisé. Voilà, voilà. Synchronisé. Et après, on a une base commune, une base de langage commun. Exactement, exactement. Donc. Arkéna. Moi, je vais revenir parce que bon, j'introduis là un petit peu la chose, quoi, le cas de figure. Par magie, comme on avait dit, c'est l'idée de parler de cas de figure réel, enfin, de notre vie, quoi, de ce qui s'est passé. Et nous avons eu la chance, pas toi peut-être, mais nous avons eu la chance que tu aies reçu une facture de Sonelgaz. Une facture de Sonelgaz, mais pas n'importe quelle facture. On va la montrer, Pat Logan, la facture de Mbaba qui chauffe le Jumaa, bich choko ma'ana. Bon, il y a le Jumaa. Tu vois, on a un chose en signe de pouce derrière. Je le cadre en avec bleu. Ou là, ma couche, tu vois, mais j'ai une facture, semaine à l'effet, à peu près, شوكينا شوية رحنا نشوفوها كابيا الدرام اللي كي تشوفوا الفوقة هنا في الفاكتور عودوا طلعوا الفوقة ديك لالين فوقانية هادية بها هنايا نوريها لكم هاد لالين هاكو تشوفوا كاين 47 مليون تاع الغاز une seule explication rationnelle la seule tu es producteur d'électricité dans ton quartier et pour ça tu as installé une centrale à gaz حنا هما لا سنترال اللي تاع الشارع في البيرو تاعنا في الشارع والخدامين تاعي ما يخدموش عندنا اون فات يعمروا قراعي تاع الغاز ثاني باسكو نبيعوا البيطان دو غاز او ميم طون في طريقنا باش نديروا شي با دونك الهبال تما bon maintenant plus sérieusement qu'est-ce qui s'est passé donc plus sérieusement enfin plus sérieusement je dirais je ne sais pas si c'est plus sérieux, mais la réalité est là, c'est qu'on a reçu cette facture à 490 000 dinars, c'est 49 millions de centimes à l'ancienne. Donc naturellement, ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens, sachant que le gaz est cher à l'Ifibladna, ou le gaz sur le bureau. Donc même si tu veux qu'il y ait une fuite de gaz dans le Homa, la fuite de gaz, mais t'as pas chalé. Là, mais en plus, il faut rappeler quand même qu'il y a un compteur de gaz qui est installé. Donc, bien sûr, on a un son de gaz, on a une bonne équipe qui fait. On a seulement floué bon, ma femme moche. Non, non, moi je veux d'abord la réaction du monsieur au guichet. Là, on a eu double impact. On a eu un premier impact, on a une bonne équipe, j'ai fait la facture bizarre. بلان لا فاكتور راحوا الجماعه باسكو حنا سي با لوان سون لي غاز من البيرو قام سمعوا جاتنا واحد لا فاكتور تاع 49 مليون تاع تريماس قالوا له اسمع با بروبليم روح عاود صور الكونتور وارواح دونك الكوليغ راح صور مد صور عند كوليغ اللي هي عاود راحت بلا فاكتور كي عاود راحت لا الغوكواز اون اوت بيرسون هي لي في لا فاكتور الى لا دام كونت البرون لا فاكتور اون مود وي جيت ريكلامي فاكتور جات غاليه وقالت لها كيفاش عطات لها لا فاكتور شغل نورمال شغل اون مود عادي شغل بدات لا فاكتور شغل بدات ديجا تريكلامي المراه تاع صغير وي مي سي نورمال ريفيرس ما غلط منا وغير نقدر نغارديها on avait jamais eu de facture aussi importante pour un particulier dans cette agence. Donc du coup vraiment bon ceci dit, il y a une prise en charge parce que oui, donc attention bien évidemment les gens de Sonelgaz c'est pas voilà quoi, ils nous ont quand même écouté, c'est pas le nec le plus ultra dans le customer care mais quand même ils ont fait leur job. Donc par contre, la réponse n'est pas instantanée. C'est attendre la facture, on va traiter ça. Donc ça veut dire que ça ne se traite pas aujourd'hui au niveau du guichet. Exactement. Et ouais. Non, on peut dire qu'ils ont été plus ou moins
logique, parce que d'habitude quand tu as un problème avec son gaz, généralement يقول لك خلص ومعك ريكلامي. Généralement c'est des cas classiques. Là là, tu as 40 millions ما قالناش خلص ومعك ريكلامي. Il y a sûrement un problème. Même eux ce qui m'intéresse c'est surtout de savoir qu'aujourd'hui, ils ne sont pas outillés. Exactement. Pour traiter ce genre de cas de figure. Quoi. Exactement. Et pour revenir dans notre sujet, hein, dans l'émission, c'est-à-dire que déjà, première, dans notre logique de ROI, donc la réflexion du jour, c'est de dire, au final, premier cas, c'est qu'on peut, nous tous, dans la vie de tous les jours, être confrontés à cette problématique qui est notre facture d'énergie, hein, pour parler au sens large. Hein. Donc cette facture d'énergie, forcément, elle peut être vue de trois niveaux différents, je vais le dire comme ça. Premier niveau différent, c'est le consommateur brut que nous sommes tous, qui reçoit une facture donc à la suite d'une consommation. Et là, il doit la payer. Et pour pouvoir payer ta facture, il faut qu'il y ait eu initialement un relevé. Donc, il faut la quantité des consommés. T'as combien de gaz ou d'électricité tu as consommé. Deuxième niveau qu'on peut aborder aussi, c'est le comportement du consommateur en lui-même. C'est-à-dire qu'en amont de cette facture, il se peut que le consommateur ait fait des actions qui ont pour objectif de réduire sa consommation ou des actions non réfléchies qui augmentent sa consommation. Et troisième niveau de réflexion, c'est aujourd'hui des entreprises comme Sonelgaz, je ne pense pas qu'on est le premier qui ait eu cette problématique, où est le niveau de réflexion chez elles par rapport à des problématiques qu'elles. Donc on pourrait avoir trois niveaux de réflexion, qui est un niveau de réflexion générale des consommateurs lambda, des consommateurs qui font des actions et du producteur en lui-même, Sonelgaz, sur ce sujet. Et à partir de là, maintenant, on pourrait transformer cette réflexion en des opportunités. Donc, si on devait parler d'opportunités aujourd'hui, on pourrait voir les opportunités. Oui, vas-y. Attends, peut-être, avant de parler des opportunités. Donc, trois niveaux de réflexion, mais trois niveaux de réflexion au niveau de trois entités différentes. Enfin, quand je dis trois entités différentes. Aujourd'hui, on a le consommateur. Oui. La société productrice qui s'occupe de la distribution du gaz. Exact. Et peut-être à une plus grosse échelle, puisque c'est un secteur stratégique, il y a probablement une agence à un moment donné qui est censée observer, contrôler les modes de consommation, réguler, etc., de voir ce qui se passe. Exact. Donc bon, Prélénam le troisième, il est peut-être, je me suis hâté à dire peut-être trois points de vue, mais on a un point de vue consommateur, on a un point de vue entreprise. Au niveau de l'entreprise, on a un point de vue lié à la prise en charge d'une réclamation client, mais avant de gérer les réclamations clients, il faut aussi se préoccuper sur comment réduire le nombre de réclamations clients. Donc il faut être proactif, même pour une société comme Sonelgaz. À ce niveau-là, qu'est-ce que peut faire le consommateur ? D'abord, pour contrôler son niveau de consommation et sa facturation, pour peu qu'elle soit réelle. Donc là, on est sur des technologies smart. Exact. Dont on va parler. La deuxième partie, c'est comment faire pour que Sonelgaz, ou qu'est-ce qu'on peut imaginer comme opportunité pour que Sonelgaz, finalement, que les relevés soient plus véraces, hein, correspondent le mieux, si tu veux, à la réalité de la consommation. Et comment aussi détecter des cas d'anomalie de ce type-là au niveau du système avant de créer l'insatisfaction au niveau du client que tu es. Excuse-moi, mais... tu aurais été plus vieux, plus âgé, avec une petite retraite, pension, tu reçois une facture sur le gaz. Il se passe quelque chose. Il y a une victime. Mais juste pour reprendre ce que tu étais en train de dire maintenant, c'est que tu commences à être méthodologique. Et c'est ça aussi le principe de nos émissions, c'est d'apprendre aux gens à partager avec eux la méthode. C'est-à-dire que indirectement, tu commences à utiliser les outils, on reviendra sur ça, du design thinking. C'est-à-dire dans le design thinking, il y a une phase où tu remarques un problème. Déjà, où est le problème que tu vas remarquer? Donc, dans cette étape de réflexion, ça va être l'empathie, forcément. Et après, à un moment donné, deuxième étape, les gens ont tendance à faire un saut direct vers la solution, donc l'idée. Hein. Or, qu'il y a d'abord cette notion de d'opportunité, mais pas vraiment, c'est-à-dire de maturation, pour la transformer en opportunité. Et cette maturation, elle est faite
par une première étape aussi qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le problem statement, c'est-à-dire comment définir clairement le problème et comment définir clairement le problème avec les utilisateurs qui vivent le problème. Comme on le disait, nous sommes plusieurs à vivre le problème, que ce soit chez Sonel Gaz, l'opérateur de distribution, mais aussi donc GRTE, GRT Gaz, Sonel Gaz, mais aussi on a l'agence de régulation aussi de l'énergie. Après, il y a nous, il y a les propriétaires, il y a les écoles, t'imagines tous les acteurs. Viens, on se met côté utilisateur pour commencer. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je suis client. Je reçois une facture de ce type-là. Bien sûr, mon premier réflexe ou ma première chose, c'est d'être choqué et d'aller voir les services concernés. Alors d'abord, ça a créé chez moi une émotion. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier que je peux être hors de moi. Je peux être très énervé. Donc, ça crée un sentiment négatif envers la société. Et puis, corrige-moi si je me trompe, mais il semblerait que les entreprises souhaitent ou ont besoin de travailler. Oh, Google, ont besoin de travailler, ont tout intérêt à avoir une image sympathique, de travailler la sympathie de la marque, de travailler... Alors, ce que tu dis, c'est très intéressant, et je fais juste une petite aparté. Nous, on fait beaucoup d'études de marché dans ma vie professionnelle. Et sur une étude de marché avec un client, où je tairai le nom, sur la notoriété de la marque, Google. Google, voilà. Je tairai le nom. Google, voilà. On s'est rendu compte que on ne fait pas la distinction entre la marque employeur et la marque commerciale. C'est-à-dire que la relation avec l'humain est très importante pour l'Algérien. C'est-à-dire que la marque a quoi, parce que Machiralia ou la Shaba ou la quoi, ou la, je veux dire Shaba ou la qualité, voilà ce que je veux dire. Mais il rapporte ça à la marque et à l'ibad. Je parle pas des marques algériennes, hein, parce qu'après les autres, c'est un autre délire. Donc il y a cette notion d'éthanique très importante à relever. Mais pour rester pour ne pas s'éparpiller. Ce que je veux dire, c'est que ce sentiment d'insatisfaction est tout de suite un élément négatif auprès de quelqu'un qui mesurait la marque, le awareness de la marque, sa notoriété sur le marché. Donc toute entreprise a intérêt à ce que sa marque soit plébiscitée, aimée. Par ses consommateurs. Il faut donc éviter les sentiments, les éléments d'insatisfaction, surtout s'ils sont liés à des erreurs. T'as totalement raison. Hein. Mais encore une fois, c'est-à-dire que pour qu'on puisse comprendre ce qu'on est en train de dire, hein, je parle au sens large, il y a un outil qui est très simple, c'est-à-dire maintenant pour détecter les opportunités, si je commence à essayer de voir les players, il y a le premier player que tout le monde devrait voir, bien sûr, sans exception, et lui-même se voir en lui-même, c'est le consommateur final. Puisque aujourd'hui, toutes les entreprises, on recommande à toutes les entreprises, ou c'est même pas on recommande, il faut aujourd'hui être human-centric. C'est même pas client-centric, c'est human-centric. Quand on dit client-centric, ça veut dire que l'entreprise doit avoir dans tous ses réflexes, dans toutes ses opérations, dans toute sa stratégie, à tout moment de sa décision, le client final fait l'Austral. Ou à l'échelle de l'Ohadi, parce que le client final est à l'échelle de l'Ohadi, 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 à l'échelle de public, de services publics et stratégiques. Mais le problème, c'est un autre problème, et on en reparlera, Inch'Allah, c'est le fait qu'il ne parle même pas de clients, il parle d'usagers. مستعملين ماشي زبائن الفرق كبير عباك بين مستعمل وزبون تسمى انت اللي تستعمل راك نوزاجي تسمى نعطيك عفسه تستعملها وما ما 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 تريكلاميش بزاف باسكو لقيتها تستعمل لان نعطيها لك في الوقت وفي هذيك لاكاليتي ما تريكلاميش اوك ان كليون donnons peut-être accordons-nous le bénéfice du doute peut-être que les gens de Sonelgaz vont apporter un autre point de vue par rapport à cette question cette définition d'usager. Les gens de Sonelgaz ne sont pas c'est pas les gens. Mais c'est la structuration même du service public aujourd'hui qui est bâtie sur cette notion d'usager. Ils ont, par exemple, dans les transports publics, comme dans le tramway, etc., etc. Bessif bajabou l'aqliyat à tout client. Usager en arabe. On a dit que moustamel. Shuraka, c'est quoi? Shuraka, c'est les parties. Alors, ça dépend. Shuraka le fa'ilin, c'est les parties prenantes. Ou la shuraka, c'est les associés. C'est que quitte à traiter un problème à Kaboul, essayer de faire où ça il sera, qu'il y a un outil très puissant, il y a ce mot de user journey ou de user journey mapping ou de user experience. Et aujourd'hui, tout le monde parle de UX, de user experience. C'est pour voir le moment où on a la facture fidée ou ça il sera.
واش راح نعيش انايا واش راح يديني هذاك المومون باش نريغلي ولا صح ان بروبليم ولا راني فرحان لا مارك دون لي دو سونس ما ولا راني فرحان هي ماذا بها تبان لها بلي راني فرحان ونوري لواحد اخرين بلي راني فرحان اي انفيرسومون اي نديرو جورني دونك توا تي روسوا تشي توا تي روسو با لا بوست تا فاكتور Non, pas par la poste. Je crois que c'est. Je sais même plus. Ah, ouais, tu, peu importe, je la trouve dans la. Tu la trouves dans la boîte aux lettres. Exactement. Tu ouvres ta. Ça, on en parlera d'un autre jour de la poste. Tu ouvres ton enveloppe, tu trouves ta facture, le choc, tu regardes. Est-ce que. Là, la première étape, machin, je mapping journée bien. Un de mes collaborateurs, on a le patron. Donc, un de mes. Il a pas facture, t'as qui te le bureau, bah j'ai dit, allez, calme-toi, mais quel problème. Malish, est-ce que tu as moyen de réclamer immédiatement, c'est-à-dire non. par téléphone, par si, internet? Ils ont un call center, attention. Ils ont. Alors, je crois que j'avais, je vais pas, j'ai été étonné parfois par des call centers algériens, un d'une banque, on citera pas le nom, mais Sonalgaz, c'est service public, on peut. Je crois que Sonalgaz, il m'avait étonné parce qu'il m'avait rappelé, etc. Bon, ils avaient pas fait le job que je voulais parce qu'on a une fuite de gaz à nos bureaux à Ouattara. Enfin bref, médias où ils ont été réactifs. Mais là non, facture 49 millions, tu dans ta tête le téléphone n'existe plus. Tu es en mode faut aller que je Non mais je veux dire, je suis en train d'imaginer pour un client les moyens. Donc première chose, tu dois te déplacer en agence. Ah oui, tu ne peux pas régler ton problème, même pas le signaler, parce que même si tu le signales. Alors aujourd'hui, je pense que si, pour pas se faire prendre par les gens de Sonalgaz, ils vont dire ouais. Je veux qu'on se fasse reprendre par les gens de Sonalgaz. Si on se fait reprendre par les gens de Sonalgaz, ça veut dire qu'il y a une information qui n'est pas suffisamment diffusée, dont on n'entend pas suffisamment parler. On a des gens où quand on travaille avec eux, ils disent oui, mais est-ce que nous, les managers, nous donnent l'information ou là, nous même si nous sommes à la Encore une fois, client human centric, the برأس كيف جدب شو يكون على باله مش هو يحوز عليك انت تحوز عليه هو الكليون على فهم مي هاد لانوسيون دوزاجي اللي خربطت كاع الدنيا بون ما عليناش مي فريمون اليوم كي دون اليو اكس دونك اليوزر اكسبيريانس نتايا اون طون كليون اي جو في بوتيت هنا انا مالغام مي ما عليناش On pourrait imaginer que l'homme a besoin d'une facture galia peu importe où les outils nous donnent le feedback il ne sera pas rassuré, mis à part le fait qu'il puisse avoir une action directe qui va le réconforter et le rassurer. Donc aujourd'hui, la seule action directe que tu as pour te réconforter, te rassurer, c'est de te déplacer en agence. Oui, mais bon. Tu vois, c'est moi, juste d'avoir quelqu'un en face de toi. Je comprends. Tu es parti en agence, tu as exprimé ton problème, tu as montré ta facture, ok. Est-ce que tu as un accusé de réception? Est-ce que tu as quelque chose? Qu'est-ce qui dit que tu es parti en agence et déposé? Non, mais je suis totalement d'accord. Donc il n'y a pas la notion qu'on arrive finalement le ticket n'est pas ouvert. On ne sait pas s'il y a un numéro, un ticket, si tu es en cours de résolution, votre quête est suivie, etc., etc. Donc tu n'es pas rassuré quant au traitement de cette facture. Tu vas patienter pendant une ou deux semaines, quelque chose comme ça. Et si tu n'as pas de réponse, tu vas te redéplacer, poser la question. Tu tomberas peut-être la bonne personne, peut-être une autre, elle te dira Mazal, Malabalish, Woolis Menajaya. Bon, c'est une autre histoire. Maintenant, ton premier réflexe, est-ce que ça a été de vérifier ton compteur? Ah oui, relevés. Alors, il faut comprendre que, comme beaucoup d'entreprises et même beaucoup de citoyens, on est locataire, on n'est pas propriétaire des murs de ses bureaux en l'occurrence. Et donc, du coup, on n'a pas de visibilité sur l'ancien, le passé. Et oui, bien sûr, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, on fait toujours très attention qu'il y ait tout ça. Mais tout sous, non. Tout sous, non. On a pas le cas, mais je suis venu, je suis venu, je gaz ou je suis ou. Mais qui est venu le volume. C'est surtout quand t'as fait ton son en parlant du gaz. c'est un gaz, c'est la même nature en plus. C'est pour ça que les vaches me font accuser de CO2. Elle m'a fait. C'est pas possible. Mais je crois que c'est pas possible. C'est 475 000 dinars de gaz, le volume. C'est la même histoire que j'avais eu moi à la maison une année sur l'eau. J'avais eu un volume d'eau d'un lavage auto pendant un an. Donc, Mindak, encore une fois, si on remet sur le contexte aujourd'hui, dans l'opportunité qui pourrait se présenter aujourd'hui pour en transformer ça en idée, c'est qu'il y a au final, deux grands pôles. Le pôle qui serait une automatisation de tout ça, et le pôle qui serait sur
la gestion de l'user experience, donc sur le comportement ou les gestes que la personne va avoir qui est confrontée à cette facture. Ouais. Alors, juste pour pas que j'oublie aussi, c'est, on a des exemples, attention. Par exemple, la CIAL. La CIAL, elle, a mis en ligne en début d'année, en début 2019, je crois, si je dis pas de bêtises, entre janvier et mars. On ne tiendra jamais nos 15 minutes. Ah. Si, si, on va les tenir nos 15 minutes. Karim s'inquiète pour les 15 minutes. Si tu me sors un exemple de la CIAL. Non, non, j'allais dire juste que la CIAL a mis en place une application qui permet aujourd'hui de faire nous-mêmes à la maison nos relevés de compteurs. Ce qui commence à être déjà un début, donc là je sors des opportunités, je rentre maintenant tout de suite dans la phase idée, c'est que ça peut être un début d'idée. Ah, complètement. Donc ça veut dire que que la marque en elle-même se digitalise d'une façon interne en mettant à disposition des outils qui permettent aujourd'hui aux consommateurs d'être des parties prenantes, Shuraka, Al-Fa'alin, dans la réalisation du produit en lui-même. Donc, un exemple sur Internet, un exemple connu, oui, oui. Finalement, ça s'appelle le crowdsourcing. Et le crowdsourcing, exactement. Exactement. C'est-à-dire ou certains l'appellent aussi l'esclavagisme 2.0. Ouais, bon, c'est un autre débat, méchant, mais bon, toujours intéressant. Mais, l'esclavagisme 2.0, c'est le tasking. Bon, mais on en parlera. Ce que je veux dire, c'est que l'idée, là, ici, c'est de faire travailler sur une micro-tâche ou une petite tâche, le consommateur, un petit peu comme fait CAPTCHA, qui est l'exemple le plus parlant du crowdsourcing. Hein. Donc, ceux qui ne savent pas que lorsqu'ils doivent s'inscrire et vérifier qu'ils ne sont pas un robot, généralement, ils effectuent une tâche au service d'une AI. D'une intelligence artificielle. Exactement. Pour l'apprendre, pour l'apprentissage, son apprentissage, ou pour de la numérisation. Donc, CAPTCHA et ReCAPTCHA numérisent des livres. Mm-hmm. Voilà, donc nous, quand on retape les 4-5 mots qu'on trouve... qui sont affichés de manière assez maojin, hein, en fait, c'est parce qu'une machine n'a pas su reconnaître et qu'elle nous demande de truquer. Ça, on en reparlera aussi, c'est quand on parlera de start-up, c'est le business model de Homo externe. Mais bref, Bachman Baharouch, l'humain qui est malassial, son ergast, t'as dit d'être mal au moins. Alors, bien évidemment, ils ont lancé des projets, il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas fait, mais en tant que consommateur, il faut que nous avons rapidement des quick wins. تما كان امور ومتبدلوا رابيدمون اللي خلونا تتبدل حياتنا معاهم تما ماشي حياتي وحدي حياتي معاهم parce que c'est un couple, on forme un couple en permanence. Donc il est très important pour les marques de comprendre qu'on forme un couple en permanence et que nous-mêmes, nous formons ce couple avec eux. Et que du coup, chacun fait avancer le schmilblick, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le schmilblick, on en dira. On fera avancer cette histoire tous ensemble. Donc comment automatiser peut-être aujourd'hui cette action, comme l'a fait la CIAL, en mettant à disposition des utilisateurs de l'énergie, donc des consommateurs, une application entre les nains, relevé, wahedna, ou là, on peut réclamer, etc. On peut dire que c'est même pas son gaz. Alors, autre élément important, si tu prends l'exemple de la CIAL que je ne connais pas, que je n'explore pas, mais je sais que souvent on peut décider de mettre un outil, mais pas intégrer cet outil dans un process, dans une procédure, c'est-à-dire ne pas donner suffisamment de force à se relever pour faire l'objet d'un cheminement. D'un cheminement business, hein, du workflow, du système, du process global pour justement permettre d'agir. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, qu'on va nous donner une application pour faire notre relevé, pour mesurer notre consommation, etc. Mais si la détection de l'anomalie, ce relevé n'est pas suffisamment authentique, fort, pour être utilisé lors de la réclamation, il ne sert pas à grand-chose. Bon, ça, c'est sympathique, on va dire que c'est une première étape, mais il ne servira pas à grand-chose. Ce qui serait intéressant, par contre, c'est que le relevé puisse se faire, effectivement, enfin, le contrôle de relevé puisse être croisé par le releveur, hein, donc, et un double check utilisateur. Sans parler que c'est problématique, alors juste pour faire un aparté, parce que personnellement et dans le credo de notre entreprise, on dit le futur il est clair, c'est des entrepreneurs sociaux et avec une responsabilité sur l'environnement certaine. Ou chalou ibn la liouma l'aqliya ta les start-up ou les jeunes qui ont start-up, les drali li عندهم liouma je dirais 8 ans, 10 ans,
pas plus de 12 ans, quoi. Les gens entre 10 et 12 ans, je dirais ça comme ça, sont en train d'être préformatés pour être des entrepreneurs qui vont intégrer dans leur logique l'environnement et le sociétal haja adi pour haja qui mal youma dir digital haja adi que les startups que tu fais qu'on dit la plateforme de l'application de la. Donc il est très important aussi de relier cette problématique énergétique aussi à cet aspect environnemental parce que l'youma OK ça va très bien le seul souci tana c'est le prix au final ghalia ou خلاص هذا ما mais c'est pas que ça le problème tana ou il dépasse cette l'échelle l'youma احنا في la planète. Donc l'humain, si on laissait faire une start-up qui interviendrait à l'extérieur du process interne de son Sonelgaz, donc se positionner sur la chaîne de valeur globale, en étant un maillon de la chaîne qui va d'un côté faciliter la vie l'utilisateur, mais aussi rendre le service plus interactif et en temps réel pour son Sonelgaz. Et troisième étape, pourquoi pas être une start-up qui a pour écran, donc ce côté environnemental et sociétal, où elle pourrait travailler sur nos gestes et façon de consommer l'énergie. Parce qu'on parle beaucoup de l'énergie, de son impact sur l'environnement, mais on oublie très souvent de rappeler que 80% de l'énergie que nous produisons est perdue suite à des mauvais gestes à la maison, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas calfeutrer nos maisons, on oublie la lumière allumée, on utilise des équipements dans les mauvais horaires, etc. C'est-à-dire qu'on peut protéger le diurnam, le bird ou le mskhana dans la construction de home, déjà on réduirait énormément la consommation terne. Donc une start-up pourrait travailler sur les trois volets. Absolument, mais pour ce cas, peut-être pour ce secteur en particulier, hein, qu'il y en a d'autres, mais pour ce secteur en particulier, ça doit quand même être l'idée par la gouvernance. Oui, bien sûr. Ça doit quand même être une politique. Okay, parce qu'il y a de l'éducation, il y a de l'argent. Exactement. À faire, ce n'est pas à but lucratif. Okay. Donc ce n'est pas à une entreprise réellement d'investir sur ce secteur, c'est plutôt à un État, voire. Et c'est ce qui ferait d'elle aussi une start-up. Je dis très souvent, parce que comme il y a un rôle régalien à un moment donné de l'État, sachant que dans l'électricité, d'où sur certains, pas sur certains, mais surtout, le monopole Taha, puisque le garde comme étant un secteur stratégique, ce qui est normal dans plein de pays, c'est le cas, pas forcément pour la production, mais surtout, elle a même fait blanc sur la production, il faut dire le haq, ou elle a le transport oublié. Donc, il y a beaucoup de transport oublié, c'est d'où là. Alors, l'IOMA, زمان سيتي استراتيجيك اليوم يقول لك نو سي بور لونفيرونمون تيماجين كون خلي شركات كاع يجوا يديروا الخيوط يديروا لنا خيوط بارتو يفسدوا لنا كاع سوف كو ما يديروش خيوط كيما يحبوا مي قول ولكن جوست بور دير كو sur ce côté aussi, il est très important aussi de comprendre que tu m'as fait perdre le fil de l'idée, mais je te mets au courant non mais je voulais dire parce que on pourra pas parler de tout ça parce qu'en fait pour faire comprendre à nos amis la problématique dont on parle, il faudrait d'abord comprendre encore un autre outil, la ralb lioma, c'est le match qui malgré n'ayez les deux les vocales هذا مشو لنا بلي قباح اليوم خرجناهم كاع راك ساعه ما قباح مي باش تقدر تعطيك ان سوجي لازم لك دي زوتي وان دي زوتي سي لا شين دو فالور دونك هذه لا شين دو فالور جلوبال كي تبدا تي تفهم البروبليم راك تشوفو وتعيشو اونكور نتفاهمو اللعيبه اللي نهضر معاهم سي اللعيبه اللي يقدروا هما يلقاو دي سوليوشن هذه هي اللي راح يخدموا الخشخاش كما كان يقول بابا الله يرحمه خدم خشخاشك خدم في تخافاي مخك دونك باش يلقاونا حلول باش نفروها فيان في لو فيان في ليكزرسيس. Alors aujourd'hui, alors juste pour te faire mon lioma, c'est la première, donc 2 x 15. 2 x 15 ou la 2 x 20. Non, viens, on fait l'exercice. Ouais. La start-up ou une start-up, quand on dit une start-up, ce pourrait être plusieurs start-up. شو ما تمرضش روحك كريم ما تمرضش روحك نعطي لكم لافان ديالك كيما يقولوا لي جون بالاخر. J'ai dû en voir 2 ou 3 في الجزائر اللي ديجا خدموا على هذا البروجي ماشي. Attends. On reste d'abord, on est dans la maison. Ok, chez l'utilisateur, et qu'il chez le consommateur d'électricité. Alors, on est à l'intérieur, son compteur, il est dans le dernier... Chez lui. Oui, mais il est en bordure. Okay, pour l'instant, okay. On est...
où ils consomment l'électricité. Alors, c'est quoi les opportunités, c'est quoi les idées à l'intérieur de la maison? À l'intérieur de la maison. Ben, que c'est... à l'intérieur de la maison pour commencer. Easy, easy. Alors, head la startup qu'on a bon, elle a pas vu le jour, hein, ben, parce que voilà, il y a beaucoup d'entraves et tout ça. Mais bon, idée. Mais whatever. Roma, ils ont eu l'idée ou prototype, ou machin, soit avant ça ou bien. Des un groupe d'ingé n'ab des charpentiers quelqu'un l'idée n'ab bon mais inventons la roue qui m'a quelque chose c'est ma chef ou des idées chef ou le problème quelque le problème qu'un fidèle aussi où ils font une solution à l'algérien les moyens n'ont pas ou avance c'est ça qui fait avancer les choses. On s'en fout de l'innovation hein, on s'en fout mais royalement plus important c'est de régler un putain de problème en Algérie après on en verra voilà. Donc داو يخدموا قال لك بون داخل الدار كيما قلت لك باسكو برا الدار تم تدخل في صون الغاز ونا لوتوريتي ما تفرج دونك دخلوا للدار قال لك بون الدار وشنو لانتيري دوكا بنادم يشري البرودوي راح نديرو دونك الو بيان ايفيدامون اون مود ستارت اب معناها باش راح يبيعو ما باش راح يدخل الدرهم هذا هو لو كوتي بيزنس موديل كي كون ريشيرش سكالابيليتي بلا بلا دونك ايلي لا اون مود دونك لو بروبليم قال بون اوكي ديور بري تاع التريسيتي راح يزيد لازم نعاونوا الناس باش يميتريزيو لا كونسوماسيون تاعهم في الدار باسكو سينون لا فاكتور بين ليله ونهار ما يفهموا والو كاتاستروف منا وهما اللي فريمون داروا البروبليم ماشي سون غاز ماشي كيما حنايا ب 49 مليون تاعنا ميم سان سا ديزون كيل فو كونسومي ميو voilà simplement exactement il faut consommer mieux. Donc l'idée c'était de donner un outil d'aide à la décision plus exactement plus justement simplement réduire le gâchis réduire ouais n'ayons pas peur du mot consommer mieux il y a pas de problème donc l'idée c'est de donner un outil d'aide à la décision les gens qui sont dans le donc à ce moment là il fallait faire quoi bah خليك لازم اولا نقيس التريسيتي اللي تكونسوم donc خليك كيفاش ندير نبرونشيها في الكونتور نبدا نخربط في الكونتور ندير ان deuxième compteur maintenant donc ça commence à devenir compliqué et risqué parce que d'où il fait un mobilier et c'est trop le côté habitat les normes de la construction d'où voilà parce qu'il voulait faire un truc bien aussi mais c'était les barques à dire donc à ce moment il faut oublier un device c'est une sorte de pince qui alors quand je dis une pince vraiment qui m'a pince ta Huawei tu imagines en cas les moi fin خطو في التريسيتي moi fin يعرفوها تيكزيستي في الماتريكس سي ان باس تحكم هكا كيما هاد العفسه تشوفها تحكم هكا تما فوق الخيط تاع اللي يدخل اللي يخرج من الكونتور تاع سون دينودي سون دينودي سون ديكوبي سون وي قيس اون طون ريال هذيك لا بانس افيك ان بوتي ديفايس الكترونيك اي قيس لا كونسوماسيون تاع التريسيتي الفولتاج لامبيراج تاعنا دونك يقول لك كيما الكونتور تاع سون الغاز سوف كو هذاك الديفايس ان اي او تي انترنت اوف ثينكس اللي مكونيكتي الانترنت يبعث لك لافورماسيون في اون ابليكاسيون تيليفونيك تايا مول دار عندك اون ابليكاسيون تيليفونيك تقدر تشوف اون طون ريال واش كونسومي دونك ابارتي دو تماك نزيد ندخل لك لو بري دو لا دو كيلو وات ندخل لك لو بري دو متر كوب تاع الغاز عندك لا هما لو كورس باش الغاز كونسونترا وراحتهم على التريسيتي ميم سي بور لو غاز الوغ جو سي با بور لو غاز مي ما كاين غوترا كي تي نوت ستارت اب كي افي ترافاي سور سا اي تو سا بريف دونك ايز اون في سا دونك باك سا سوفيزي با باسكو قال لك اوكي نقول لك بلي راك كونسوميت بزاف نقول لك رد بالك وهاد الشهر نورمالمون تكونسومي هكا وشهر جاي مي مرقو بلي ما نقدرش يعاونوا الناس هكا باسكو لازم ننصحك جو تو كونساي دونك باش نقدر ننصحك لازم نفهم وينك تغلط ماشي جوست نشوفو راح تكونسومي بزاف دونك راحو بلو لوان قال لك دوكا لازم نعرفو في الدار واش راه يكونسومي بزاف دونك او فينا لازم نعرفو انا في الدار اسكو سي الفريجيدار ولا اسكو سي الكليماتيزار ولا اسكو سي ختي كي دارت بستيشوار ولا اسكو سي ولا نتفاهمو ولا انا كي درت لا كيراتين وجبتها راك فاهم دونك دوكو لا كيستيون دوفوني تكنولوجيكمون بلو بيل اي بلو كومبلكس Donc, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas trouvé de solution. Il y a des solutions, tout ça, qui est une très belle. On en avait parlé une fois sur l'harmonie qui. En fait, Takafa Amalnas, comme tu sais, moi je suis un ingénieur. Il fait un temps où j'étais ingénieur. Et, ingénieur un jour, ingénieur toujours. je sais pas, mais peut-être. Donc, dans l'électricité dark, qui est branché par exemple la télé ou la n'importe quel équipement, ouais. Machine à laver ou la télé, qui te consomme électricité. دير ان سون كيما غيتارا كي تبدو لا كورد وديرو اون نوت دونك كي تبدو غيتارا وديرو اون نوت في الفيد هكا تسمعوا ري ري هكا ومن بعد تبداو تبوجيو صبعتكم في المونش والسون يبدا Donc il y a une harmonie exactement. Électrique. Il a une harmonie, exactement. Ouais. Et donc du coup, chaque équipement a une propre harmonie. Il a sa signature. Et il a sa signature comme un son, vraiment. Ouais. Comme s'il a une note, fa dièse, fa dièse septième, ou rien. Donc du coup, on donne un fédard comme un équipement. À partir de là...
je suis capable de te dire dans le temps quel est l'équipement qui a consommé le plus et à quel moment, etc. Après, tu as fait. Mais du coup, je donne du conseil beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent. Ça, c'est la techno, mais est-ce qu'elle n'a pas des limitations? Enfin, la première question que je me pose, oui, bien sûr. Nous-mêmes, nous sommes consommateurs de multiprises. Hein, est-ce qu'il se passe quelque chose sur. Ben oui, c'est quoi l'échelle de mesure finalement? Ben, en fait, là, tu commences à rentrer maintenant dans le côté du business model technologique, ben, parce que dans un business model, il y a l'économique, mais il y a la technologie aussi. C'est au final, oui, mais je n'ai pas partout maintenant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plusieurs trucs sur le compteur, plusieurs compteurs? Alors en fait, l'idée, non, c'est, en fait, c'est d'avoir des prises intelligentes, des smart prises, si je peux dire ça comme ça, qui se connecteraient un peu partout. Fais place de brancher la prise à des tas d'art, des ouvres d'accueil là ou une tête branchée. Elle dit que la prise intelligente, elle reprend le relais ou tu as de mal avec le device. Ou tu colles ce matin, ce matin, le bruit, fait la prise ou elle a ballon, elle arrive d'art, etc. Ou qui m'a aidé. Après, l'idée c'était je peux même maîtriser la prise à distance de l'application. Je suis allé où l'on te fait. Donc, elle a balayé qui est contre le carbal d'art. Je suis allé que d'autres à l'albé, ce bar qui est non, je suis allé que la machine à café ou être la face. Donc, juste pour dire. Hada, c'est un des exemples possibles où, comme tu l'as dit, c'est drenabad le problème fada ou khlina moul dar ou ando la facture taou en temps réel. Mais si n'est-ce que son gast bat la facture il connaît sa tendance. Donc, si à un moment donné il voit que et l'application c'est là aussi, tu peux ajouter une intelligence artificielle, une machine learning qui pourrait être conseillée dans le temps. Ou un truc d'autre collègue, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Fait d'Arcom, quand comme le Kimahaka, la consommation fin trimestre est triple ou quadruple. دونك تمتم تاع على بالك واش راهو يصرا فيه مضرب في الدار بالك عندك وليدك قلبها سودار سكيمي ولا عندك جاره ويضرب لك من الخيط مع باش كيفاش راهو يضرب في الدار دونك هو دبر راسك tu analyses ce qui est bien c'est que tu commences à être alerté vraiment plus beaucoup plus en temps réel que en différé au moment où c'est trop tard en supposant que واحد pika عندك hein tu vas le savoir dès la première semaine qui a une hausse anormale de la consommation alors que toi tu n'as rien changé sur tes habitudes donc ça va t'alerter contrairement au fait où tu peux être alerté, mais trop tard, à la fin de la période de facturation. Et du coup, eh ben, trop tard, il va falloir bien payer cette facture. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Enfin, tout ça pour dire que... J'aime bien ces idées. Par contre, je préférais qu'on imagine des choses. Parce que ça, c'est de la techno, c'est du travail. Comme tu dis, il y a un business model, il y a plus techno. Voilà, je préfère qu'on travaille sur des choses beaucoup plus accessibles. Mmh. Okay, donc oui, le compteur. Mais on va adresser une autre problématique qui est aussi très importante. Pourquoi est-ce qu'il y a du délestage? Le délestage, finalement, c'est simplement parce qu'on est en surconsommation sur une branche, hein, sur un circuit de distribution, et que ben, on est obligé ben, d'alléger, de jouer, donc de couper par-ci pour réalimenter par-là, etc. Okay. Une entreprise de distribution d'électricité est finalement une entreprise de planification. Finalement, exactement. C'est ça son cœur de métier. Après le reste, c'est du câble, c'est des équipements, etc. Mais c'est avant tout une entreprise de planification qui doit observer les usages, les consommations, les modèles, comment ça évolue, dans quelle région ça évolue, comment veux-tu faire de la planification sans data? Exactement. Merci. Aujourd'hui, il est impossible pour le faire simple. Le credo actuel de toutes les entreprises sur cette planète, c'est data driven. Le nouveau pétrole, c'est le data driven. Et le nouveau pétrole, comme tu dis, c'est la data. Donc le data driven, c'est que à chaque fois qu'on a fait style, on a fait créer, on a fait c'est parce qu'il y a une data qui a dit de balk, tu devrais statistiquement faire ça. Il y a aussi des discussions. Mais on n'en parle pas, mais on est d'accord sur le fait que. Pour prendre une décision, tu as besoin d'alimenter. Il y a Herbert Simon qui parlait de rationalité limitée et de asymétrie d'information. Et en fait, l'idée, la seule et unique idée qu'on a depuis Hadek le Work, c'est de limiter cette limitation de rationalité et cette limitation d'asymétrie d'information. Mais plus un deal qui, je le fais simple, qui a l'information a le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Et pouvoir, ça veut dire décider. C'est aussi simple. Donc aujourd'hui, les entreprises qui m'assurent les gaz, je peux planifier ou des éventuelles problématiques, en fait, combler d'éventuelles problématiques qui m'ont le délestage qui est issu d'une problématique, pas de production, hein, c'est une problématique de distribution.
des postes transfo inco, et ben à ce moment-là, si elle sait que, elle voit que, si elle avait de la data et qu'elle traitait, elle doit essayer de le faire. Hein, faut pas croire, voilà. Mais non, elle doit le faire. Mais, voilà. Mais aujourd'hui, on peut le faire mieux. Non, il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que nous, on traite parfois des données comme ça. Ce qui est toujours intéressant dans le traitement de la data, c'est sa granularité, c'est-à-dire c'est jusqu'où, jusqu'à quel niveau de détail on va. Après, quand on me dit, ouais, il y a 40 millions de personnes en Algérie, ça ne me dit pas où je dois m'implanter. Exact. Tu vois ce que je veux dire ? Il va falloir que je descende plus, exact, parce que mon implantation, elle est à une toute autre échelle. Donc, c'est vrai. L'échelle de la donnée est tout aussi importante que la qualité de la donnée en elle-même. Hein. Je peux avoir le nombre global à la personne près, mais si je n'ai pas cette granularité qui va me décrire jusqu'au à l'échelle de la commune ou du quartier ou du domicile, parce que, hein, après ça devient... Tu vas tomber, toi. Ça devient, c'est là où on peut prendre des décisions, c'est quand on arrive à cette granularité. Donc je pense que Sonelgaz a du mal à descendre au niveau de cette granularité en ces termes-là. La réponse, à mon avis, est... dans le contexte actuel, hein, je dis bien, parce que je coule chez des bêtes mal au mais dans le contexte actuel, bah, dans quelques années, quand il a été, tu sais pas ce qu'il a, je suis calibré, tu rigoles, mais ils ont fait un journaliste. Oui, les Japonais, ils ont fait il y a quelques années même, parce qu'on m'a pensé à notre délire, ils ont fabriqué un directeur artistique. Un petit robot. Le directeur artistique, il a fait des pubs et tout ça, il a fait un tabac. Mais je me rappelle, parce que le résultat, l'humain avait quand même été préféré par les consommateurs. C'était très sérieux. C'était pas aussi évident qu'on puisse le penser. Voilà, quel. Kima Koutrol, Tmalioma, Bachandan Fam, etc. Un Achareka. Je suis même son gaz. Ils doivent être, je sais pas, peut-être. Je dis pas, tu connais, mais il doit être 50 000. L'émission sponsorisée par Sonelgaz. Mais chez sponsor, Sonelgaz, c'est un acteur. C'est un acteur public, service public. Gagne un chômage, ou gagne psif un chômage, machin. Qui m'a Algérie Télécom, Algérie Hada, ou Dina, il y a un deuxième Tassili Airline, mais psif un chômage. Mais d'autres solutions, on n'a pas d'autres solutions. Donc du coup, on est obligé d'en parler, qu'on veuille ou on veuille pas. Et à ce moment-là, c'est aujourd'hui le seul appel qu'on peut faire. Il y a Djema, même où la cause 100 000, même où la cause 120 000 qui est son attraque Kareb, parce qu'on est là où l'or, mais 100 000, tu n'es que 100 000. Non, on est 40 millions, et je dirais même 43 presque, 42 900, puisque toi t'es 100 000. Il y a aussi un autre. Et c'est ça, moi je veux arriver à... Je comprends, mais ouais. dans ton exemple là, ouais, même s'il y a 130 000 ou 200 000 personnes, il n'y en aura pas 200 000 qui vont travailler sur ce problème là. Exactement. Sur le problème dont on parle. Ils sont allez, 10 si jamais ils existent. Peu importe, même où les MABJ, ils disent Akaton en interne, ils disent 130 000 personnes, ils disent on est 40 millions. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les marques, ils ont compris et elles ont compris ça, qu'aujourd'hui, il est impératif de faire appel à l'intelligence collective. Et quand je dis l'intelligence collective, comme le définissait PH dans son modèle qui a pris le prix Nobel, c'est qu'aujourd'hui, le talent, Marahouch, عندك في شركه راهو برا سور ديرها بنحفي بالك باللي مراهوش شو انت جوجل كريتي لي مير دو لا بلانيت مي مالغري تو راهو برا. Donc, tu ne pourras jamais le trouver parce qu'il est toujours en perpétuelle création. Donc, au final, vous mettez une astuce qui fait gagner en permanence, Mac, qui est mal catch-up. C'est de la cueillette de champignons. Exactement. Sauf que c'est pas n'importe quel. Mais c'est pas n'importe quel champignon. On est en train de parler de trèfle. Normalement, tu Mac. La période, mais normalement, tu Mac. Donc, tout ça pour dire qu'il se pourrait que dans une phase d'idéation, donc l'idée, ROI, donc la réflexion, l'opportunité et l'idée, l'idée aussi est construite par de l'open innovation. Complètement. Mais là, maintenant, il faut l'initier. Parce que est-ce que tu as déjà entendu une société nationale ou une société tout court, hein, une entreprise tout court, faire aveu d'impuissance, entre guillemets, ou aveu d'une problématique à résoudre, qu'elle souhaiterait résoudre, en externe? Moi, je suis quelqu'un de très positif et j'aime bien donner le bénéfice du doute aux gens. Et je pense qu'on est tous un peu
comme ça, on est tous quelque chose de son Elgaz. Le... Johnny. Le... Mais attends, plus, mon scan. Enfin, voilà. Heureusement que tu n'as pas changé une chanson de Claude François. Donc, il est très important de comprendre qu'on est tous sonalgaz, voilà, parce que quand on est dans le problème, on est où on le génère, où on le vit en permanence, on n'arrive plus à voir, on est aveuglé. C'est-à-dire que même sur les 100 000 personnes... Non, mais moi, je fais plus simple, je veux, est-ce que sonalgaz pourrait nous sortir un jour un hackathon étudiant, édisier, mais c'est ça, mais c'est polytechnique, informatique, peu importe, sans spécifier, à la limite, même pas étudiants. Il y a des fous inventeurs, des jeunes inventeurs, des peu importe. Quand je dis des fous, dans le sens où ils croient à une possibilité, ils sont en train d'inventer dans leur garage, d'inventer dans leur petite chose. Une fois, j'ai vu une vidéo très bizarre, un mec qui trempait des câbles dans de l'eau, qui réussissait à allumer une main. Il disait, j'ai réussi à dompter l'électricité. Charlatan. On sait pas. Je sais pas. Bon, bon. À un moment, il y a certains sujets, j'enseigne. Alors, pour ceux qui un ingénieur mécanique, je suis un ingénieur plastique. Reste calme. Ce que je veux dire, c'est que voilà. Dans les idées, finalement, que nous avons, nous pouvons dire que Sonalgaz pourrait avoir une démarche, le consommateur d'abord, pourrait avoir une démarche de consommation plus rationnelle en installant un certain nombre de méthodes de consommation, méthodes de contrôle de sa consommation à titre individuel. Ça passe par simplement le suivi régulier de son relevé et d'avoir un bon outil pour calculer sur la base des équations, enfin sur la base de l'équation de facturation, du modèle de facturation de Sonalgaz. Pour ça, il faudrait quand même un outil qui soit certifié par Sonalgaz, hein, j'insiste. Oui, hein, il faudrait un outil de calcul. Tu ne peux pas les éjecter du plus, parce que les taux sont diffèrent, hein, par horaire, par palier de consommation, etc. Donc, c'est une équation complexe. Mmh. Il va falloir quand même qu'il y ait un outil qui soit validé. Donc ça, pour moi, c'est un premier palier. L'usager, l'utilisateur peut faire preuve de conscience en termes de consommation pour un meilleur suivi. Il peut la partie Sonalgaz maintenant, la partie compteur. On l'a pas évoqué, mais je suppose que ça fait partie des choses. Le compteur intelligent avec un tel relevé ou une télémétrie qui existe, la donnée, qui existe. Qui n'est pas encore opérationnel partout. D'accord. Puisqu'il y a encore un patrimoine des anciens compteurs. Ouais. Donc du coup, il faut d'abord se débarrasser des patrimoines des anciens compteurs pour pouvoir dire qu'on a les nouveaux compteurs. Voilà. Par contre, moi, j'ai vu des gens de Sonalgaz faire des relevés, mais des relevés machines. C'est du télérelevé, mais du télérelevé de proximité. Exactement. Voilà, donc en fait, ça évite les erreurs de lecture, ce qui est pas mal, hein, déjà. Les erreurs. Enfin, on pourrait parler. Je pense que. Non, mais c'est une idée de start-up, etc. Sonalgaz pourrait te dire, allez, quel module on pourrait rajouter pour assurer un télérelevé la force là. Mais bon, je dirais pas start-up là. Pour l'instant, je parlerai de la créativité entrepreneuriale. Continuons. Créativité entrepreneuriale. C'est pour ça qu'on dit ne faut pas que mon start-up, innovation, parce qu'on ne patine pas. D'abord, on a cet agent, peut-être agent, tu as le sonar, on parle que nous avons les licornes ou chabet. Le problème, qu'on a analysé le problème, je dis bien, je n'ai pas analysé le problème, donc, mais s'il y a des gens qui vont analyser. Il se peut que simplement le problème, 80% à la part et tout, hein, du problème se réside dans 20% de choses qui sont, c'est qu'à chaque fois qu'il dit le releveur, donc du coup ou qui est clair il rate ou machin me drame mieux ou là mais j'ai donc qui fait que nous pouvons dire au lieu mais qui peut dire il rate en permanence donc on est capable de créer une startup d'une manière نقولها بمرايا تشوف منا وتعاود تخرجها له من جهه اخرى دو تال مانيير ما يدخلش الدار باسكو انا مرتي الحرمه ومي هو عنده ديك المرايا صغيره يشوف منها ان اي دو باف سبيسيال كونتر خلاص فرينا طبق دونك جي بور ساك دي بور لانستون فريمون سي بيان بارلي دو ستارت ابينغ سي بيان كلاس مي بور لانستون سي فوكالايزونو سو لو بلوز امبورطون سي دو ريغلي لو بروبليم
Moi, je veux continuer justement dans cette idée-là, en te disant, bon, régler le problème, puisque il y a une chaîne de valeur, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet, au niveau consommateur, au niveau producteur, au niveau entreprise. Et puis, comme tu dis, chaque personne du process, chaque intervenant du process a lui aussi la notion de seuil d'erreur qu'il faut considérer. Le monsieur qui fait le relevé, il est probablement de bonne foi, mais peut-être qu'il n'a pas accès, peut-être qu'il a une mauvaise vue, peut-être que ça y est, il peut plus prendre il peut prendre la mesure, d'accord, mais Sonelgaz doit quand même facturer. Le gars, il va pas rentrer dans son bureau dire non, ça y est, non, j'ai pas pu faire mon relevé. Donc il va le faire d'une certaine manière, il va le faire peut-être intimement, bon, peu importe, l'erreur humaine, le facteur humain, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme opportunité? Donc j'ai dit, l'idée d'avoir des compteurs intelligents, c'est bien. On s'est rendu compte aussi que finalement, enfin, on s'est rendu compte, on discute en disant que Sonelgaz est une société de planification. C'est sa vocation. En fait, c'est ce qu'elle est censée faire tous les jours. Et pour faire de la planification, il y a de la data. Donc, est-ce que Sonelgaz est consommatrice de data? Oui. De sa propre data. Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui, nous en tant que start-up, l'écosystème, oui, les entrepreneurs, etc., élaborer un modèle qui va générer, élaborer un équipement, un modèle, un truc, quelque chose qui pourrait générer de la data mieux que ce que la data qui est disponible aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut arriver à des choses parfaites, mais pourquoi pas. Donc ça aussi, et puis ça crée de nouvelles opportunités, de nouveaux métiers. Data scientist, data analyst, etc. C'est à la limite, c'est les métiers d'aujourd'hui, parce que c'est les métiers d'aujourd'hui. C'est pas des nouveaux métiers, mais allez, qu'est-ce qu'on peut trouver comme idée de création, de création de valeur et d'alimentation de l'écosystème? Il faut du carburant. Dans un écosystème, il faut du carburant. Le carburant, c'est l'argent. Ça y est. Et quand on dit l'argent, attention, hein, c'est-à-dire que ça peut être l'argent pur ou la source de l'argent. Alors, si on pense qu'aujourd'hui sur cette data, on parle toujours de la data de Sonelgaz, hein, il y a moyen de faire apparaître un écosystème d'entreprises qui vont graviter autour et qui vont régler le problème pour les consommateurs finaux et qui vont générer de la valeur in fine. Bah là, qu'il faudrait mettre des API qui vont donner accès à une certaine data, mais à ce moment-là, il faut définir les niveaux de confidentialité de la data. Où on s'en fout, mais on peut mettre en place ça. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que Sonelgaz n'est pas une entreprise comme toutes les autres entreprises, elle appartient à l'État. Donc, rapidement, les questions deviennent des questions stratégiques, même si ça n'a pas de sens. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une fausse idée qu'il faut. Enfin, je veux dire, exactement. C'est un mauvais état d'esprit dont il faut se libérer. Mais aujourd'hui, quand tu es dans une entreprise où les patrons de l'entreprise et certains cadres sont nommés par décret présidentiel ou ministériel. C'est compliqué. Et c'est pas le cas Burk Tadzer, attention, faut pas croire Nesbel qui roule quoi. Non, ça n'a rien à voir. Nommé par décret présidentiel ou avoir une tutelle Premier ministère, peu importe, c'est pas. Faut pas trop l'idée. Non, il faut que. Qu'il connaisse un manager. Un manager. Le problème, c'est le problème. Donc il faut essayer de déployer des moyens pour régler ce problème. A priori, toutes les innovations ont servi où? Ont toujours servi à de l'argent. Elles ont toujours servi ou à créer une nouvelle source de revenus par la création d'un nouveau besoin ou satisfaire un nouveau truc. Hein. Mais l'argent qu'elle a récupéré, il n'a pas été inventé. Enfin, il a été soustrait d'autres dépenses. Hein. C'est en train de reparler d'un gars que j'aime pas beaucoup. Je les emmerde. Les mehabnish, une seule néfo. Tu parles de Schumpeter, de l'innovation descriptive. Schumpeter. L'innovation descriptive. Il croit que ma cache une innovation, donc ma cache une création d'un nouveau projet, produit, tout ce que tu veux, sans qu'il détruise Wahtakdem. Non, pas toujours. Oui, pas c'est pour ça que je te dis, mais la bouche bizarre, parce que bon, moi. Mais là, c'est vrai que c'était pertinent ce qu'il disait. Enfin, ça... Écoute, on va faire simple. Hein. Téléphone, smartphone. Fais téléphone, fais l'appareil photo. Avant, les gens, ils achetaient téléphone, Wahto, appareil photo, Wahto. Donc, ils vont acheter smartphone et faire téléphone et appareil photo. En fait, la question qu'on devrait se poser, est-ce que téléphone pour eux, c'est un téléphone? Non, ce que je veux dire Quelle est la fonction première du téléphone? Ce que je veux dire par là, c'est que l'argent qui devait partir chez le mec qui produisait l'appareil photo, il n'est plus parti chez lui. Il a été détourné. Mais le mec, il a toujours eu son revenu, son salaire. Il a fallu que le mec. C'est pas vrai. Hein. Ça a coûté la vie à Kodak, ça a coûté la vie à beaucoup de boîtes. Mais il est vrai que action en réaction, je crois. Non, mais je parle du
consommateur, il a son argent. Ah, donc, c'est au lieu de le donner aux deux entreprises, finalement, il l'a donné à une autre. Là, encore une fois, tu me fais encore parler de, d'autres gens que j'aime pas, des économistes. Je vais me faire allumer par tout le monde. Non, mais je rigole. Quand je dis les économistes, c'est surtout les classiques qui nous appellent, nous, des homo economicus, sont en train de raisonner de la même manière. C'est-à-dire que nous, en tant qu'agents économiques, on a des dirhams FIJB, coûte une chérie de téléphone ou appareil photo, nous sommes avec le budget, on a tout fait téléphone, puisqu'il fait un téléphone et un appareil photo. Ah, je dépense moi. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas comment. C'est-à-dire qu'on pense que dans la logique de, d'optimisation, de, donc dans des fonctions de production à l'ancienne et d'optimisation, donc tu serais tenté à dire où la somme est tombée. Donc normalement, ça ne fonctionne pas forcément comme ça, parce qu'on est des humains. Je rappelle encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure je disais human-centric, donc centered everything on the human and the behavior of the human and the human oui, mais tu es obligé de raisonner en grand emotion. Non, mais tu es obligé de raisonner en grands ensembles, en grand groupe quand même, parce que on n'est pas dans du custom. Oui, mais c'est ça la force de la contradiction. Je vomis les faits sociaux. Oui, les humains, je crois que nous sommes troupeaux. Les humains, on n'est pas des troupeaux. C'est vrai que oui, à certains moments, il y a des dynamiques des groupes qui reprennent le relais et que ça explique beaucoup de choses. Mais on peut pas. On formate l'humanité sur ça. Bon, on est en train de partir en cacahuète. Hein, oui, en plus de ça, je suis pas d'accord avec toi parce que honnêtement, on ne s'habille pas en surmesure. Eh mais je sais pas moi, ma montre, elle a été produite en série, elle n'existait pas un modèle unique. Chauffe, par exemple, pas chauffe. On a idée flamme droite. Où est le homme de Quintaire? Flamme gauche. Ah, classe. Gardez-le comme flamme. Ça va être comme flamme gauche. Ou allez, je ne dirais pas ça être un flamme. Parce que moi, je suis droitier, c'est pour régler ma montre. Moi aussi, je suis droitier. Tu règles avec la main gauche? Ah, je te règle le plus normalement du monde de la carte. Ah, d'accord, ok. Donc, t'as oublié de comme. Mais tu vois, c'est. Si on colle quoi, la flamme à droite. Si c'est pour faire comme tout le monde. Non, pas du tout. Bon, parce que quand j'étais jeune, je me rappelle, écoute, C'est pas vous, on est là, le timing. On a fait le sarat, non? Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que on est en cacahuète, mais bon, les personnages qui étaient là, les gens qui ont vu, mais bon, juste comme je l'ai dit, on fait ça à Menaya parce que je suis en train de faire ça. C'est juste parce que quand je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. Donc, il dit Menaya. J'ai compris. Donc je faisais ça. Et c'est à partir de là que j'ai mis ma montre sur la main droite. Et c'est resté comme ça depuis longtemps. Et après, je suis d'accord que c'est pas une bonne idée parce que quand j'ouvre les portes, je suis droitier, donc je fais ce geste, je tape la montre flat. Mais juste tout ça pour rappeler, c'est que on n'est pas, c'est pas logique, c'est pas logique. On est humain. Voilà, c'est ce côté émotionnel, t'as l'humain et l'humain avec toute sa bêtise, sa folie, son intelligence, ses émotions au sens large. Il est très dur de vouloir lisser. Et c'est cette force aussi, c'est que cette différence, cette capacité à être différent, nous les humains, les uns des autres, même dans un ensemble qui paraît être uniforme, fait notre force. Et c'est ça la fameuse partie de l'intelligence collective. Et c'est pour ça qu'on sera toujours, pour l'instant, plus fort que la machine. Je dis pour l'instant, si on arrive à rendre collectif cette intelligence, parce qu'on a ce côté émotionnel qui est très dur à modéliser, exactement. Donc du coup, aujourd'hui, encore, moi je reviens parce que ça remonte, sur cette histoire d'électricité, on pourrait défiler plein de solutions possibles et imaginables qu'on aurait vu, benchmarker, etc. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, là, une des solution qui serait, c'est pas de trouver la solution en elle-même, mais c'est de mettre d'activer un processus. D'activer de nouveaux process. Exactement. De mettre un processus de réflexion. De réflexion, exactement. D'adresser les problèmes. Et donc, du coup, la première étape, il faut que faire l'année malade. Donc c'est ouvrir mes oreilles, si je peux dire ça comme ça, pour écouter mes clients, donc faire de la réelle écoute active des clients. Et aujourd'hui, Madabek Digital. Et deuxième côté, c'est d'aller vers une ouverture aujourd'hui, vers de l'open innovation, du collaboratif
et why not, comme tu disais, à un moment donné qu'il fait que l'année malade ou on a raoui dans le mardi à l'in des gens mais j'ai dû ou ouais les gens ils me bras généralement tombé mais chez ça qu'un marque d'art ou tu vois donc tu as tout bras donc en chair et camarade vaut mieux que tombé bras parce que tombé boulam d'achat on m'arrête déjà donc c'est du nouveau sang, de l'oxygène dans l'entreprise, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour cette problématique de Sonangaz, de la facture que j'espère qu'ils vont nous régler, parce que je n'ai pas l'intention de payer 500 000 dinars, je le dis comme ça direct, je serais content de voir aujourd'hui Sonangaz ne pas s'amuser à nous faire des hackathons de base. C'est pas ça, c'est vraiment faire un vrai processus d'open innovation et co-créative pour régler des problèmes concrets avec des solutions concrètes et avec le budget et le temps nécessaire, que ça soit fait in fine en interne ou en externe, mais que ça soit initié par eux, parce que c'est les seuls qui peuvent l'initier, parce qu'ils ont la data, ils ont les accès nécessaires à ce domaine qui est quand même une chasse gardée des entreprises comme Sonangaz étatiques qui dépendent de l'État, ou il y a encore une action politique et stratégique de l'État. Donc, à ce moment-là, on aura bien évidemment différentes entités, différentes idées, on pourra peut-être régler le problème par 4 ou 5 idées différentes, qui pourront peut-être à la fin donner naissance à deux entreprises qui régleront la même problématique, mais avec deux façons différentes. Et donc, du coup, ils pourront même se partager le marché d'une façon intelligente. Mais du coup, toi, ce qui t'est arrivé, c'est quoi le problème ? Ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qu'on définit comme problème ? Est-ce qu'on le définit comme étant un problème de consommation, un problème d'erreur de relevé, un problème de prise en charge particulière, enfin, qui n'est pas adaptée, si tu veux, à une résolution rapide ? Est-ce qu'on parle d'un problème en amont lié à cette facture n'aurait jamais dû être édité ? Il aurait dû y avoir une alerte à un moment donné parce que sur le plan physique, tu ne peux pas consommer ce volume-là sur le mois. Donc a priori, cette facture ne doit pas être éditée. Il y a une analyse de données qui doit être faite. Avant, là, on est dans des situations confortables. Hein. On n'est pas au cœur de l'entreprise, on est à l'extérieur. Mais il faut, je mets des rouges, etc. Tu vois, et nous, on vient avec nos grands chevaux. Bon, on fera preuve d'humilité, on doit faire preuve d'humilité en disant, bon, les gars, ils font ce qu'ils peuvent aussi avec ce qu'ils ont. Oui, oui, non, je suis sûr qu'ils doivent faire clair. Des choses. Mais voilà, mais ce qui ne nous empêche pas de se dire, allez, c'est quoi les pistes, puisqu'on décide d'en parler, on en parle, et puis on est libre de le faire, et puis voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas un problème d'analyse de données de leur côté ? Pour moi, cette facture n'aurait jamais dû être éditée. Voilà, tu oui, représentes sûrement. Une anomalie statistique à un moment donné sur le graphe, oui. Tu es le petit point là-bas qui est tout seul, qui ne rentre pas dans la loi normale, hein, parce que souvent, on va revenir là-dessus, voilà. Si t'es le satellite comme ça, il y a un souci. Tu fais partie du groupe d'anomalies. C'est une machine, t'es en train de faire la machine learning. À régler, bah oui. Bah. Mais j'ai pas envie de. Et donc, ce que je veux dire, c'est que chacun des points là qu'on vient d'aborder, qui sont la nature de l'expression du problème, hein, de la définition du problème, donne droit à des pistes de solutions aussi qui peuvent être faites en interne ou en externe. Et même en externe, il faut que l'interne supporte l'externe. Bah, évidemment. Quand tu es un domaine où de ce type, tu peux pas juste à l'incinéré comme Kema et moi, fini d'y aller. Mm-hmm. Ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin, grosso modo, tout ça pour dire que l'objectif, Tana, c'est d'ouvrir les yeux, et on le fera de plus en plus de sujets différents, de domaines différents, voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, l'objectif c'était juste de faire une vision globale. L'objectif c'était de faire 15 minutes. Ouais, c'était de faire 15 minutes, mais surtout de balayer tous les outils possibles et imaginables qu'on va réutiliser au fur et à mesure du temps. Et on se focalisera à chaque fois sur une étape bien précise, sur un problème bien précis. Bien évidemment, moi je suis sollicité très souvent du mal, ou là, très souvent. Il y a une problématique où l'écrit Facebook, LinkedIn, Wajbo, je dis très souvent LinkedIn, très souvent Facebook, mais bon, écrit-le pour qu'on ait tout, il n'y a pas de problème. Et je trouverai toujours le temps de répondre. Donc, s'il y a des problématiques qui viennent, je me ferai un plaisir aussi, on se fera un plaisir, je pense, de les intégrer dans une des capsules pour en parler et le traiter avec eux. Et c'est quel que soit le domaine, quel que soit le moment dans leur projet, on peut toujours l'aborder ensemble, comme on a essayé de l'aborder là aujourd'hui tout seul sur une problématique à la base d'une facture
initial. Haïla, haïla la facture, j'adore. J'adore. Voilà. Donc voilà, où je crois que Karim, Frena ou la Mazal? Écoute, je pense que oui. Hein. On a pris le temps, on a même largement pris le temps. On s'est fait plaisir aujourd'hui. Je pense qu'on va peut-être même la découper celle-là ou la laisser. Je pense qu'on va voir s'il y a possibilité de la couper en deux. Je me rie ou je l'avais voir. On a déjà un double mandat direct. C'est tellement que l'homme la musique a même donné. C'est vrai? Un des guitares, un des balles? Ah là là, un double mandat terme. Alors, prochaine fois, numéro spécial, concert de Karim Rouhi au Mondol. Exactement, c'est numéro spécial start-up avec arrangement fond musical. Je pense que c'est, je te disais, ça serait intéressant qu'on parle de la start-up, puisque c'est un sujet en ce moment sur lequel je travaille, mais l'écosystème en travail. Et je crois qu'il y a une conférence qui va être faite le 14 septembre. Et je pense que ça serait intéressant et ça va coïncider, je crois, dans les dates. Je crois que c'est le 17. Hein, je ne sais plus si c'est le 14 ou le 17, mais. Bon, en tout cas, fin septembre, mi-septembre. Ouais, c'est ça. Ouais. On pourra au moins en reparler de la définition de start-up, puisque même des copains, des gens que j'avais coachés, qui sont devenus des copains, à Enlbeda, j'ai parlé avec eux il y a quelques jours, qui me disaient ça serait bien que tu nous fasses une petite définition de la start-up. J'ai dit ok, je vais vous donner ce que je pense être une start-up de mon petit côté. Voilà. Ouais, et c'est un exercice très compliqué parce que beaucoup s'y essayent. En fait, ça dépend à quel étage tu es pour parler de la start-up. Exactement. Et tu verras, à chaque fois que tu donneras une définition, il y aura toujours des gens qui vont dire ouais, mais. L'Algérie. Ah oui. Ce qu'on appelle les pays en voie de trucs. En voie de trucs. Bon, on va arrêter parce qu'on va commencer à faire le nom de la start-up. Les pays en voie de développement. C'est ça. C'est quoi? Je sais pas. C'est des pays en start-up. Voilà, c'est ça. En fait, alors je. Zama, teaser. Une start-up est en. Eh, hey, merci beaucoup. Mais... Donc, merci Karim, merci à tout le monde. Voilà, prochain numéro, on se voit la semaine prochaine. On parlera probablement de start-up ou de design thinking. À toi de voir, on verra. Hein. Je pense qu'on va. Les capsules de définition, on va essayer de les faire toutes seules, comme ça va être plus. T'as deux minutes rapides. Et à chaque fois, on va essayer. Si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde, peu importe. Abonnez-vous à la chaîne, voilà. Hein, Karim. Toujours, Karim. Le pouce, le bling bling, la fesse de son nez, le cling cling, le abonnez-vous. De garder un bon. Bon, même le mot abonné, je me traîne, je m'échauffe. Merci beaucoup, voilà. Merci Karim. Merci. Voilà. Soyons honnêtes. En tout cas, merci pour le moment que j'ai passé avec toi. Merci Ro. Et on refait comme on a commencé. Tu dis au revoir. Ciao, ciao. أوانيتي سادتي شكرا لهذا الوقت الجميل الذي مضيناه معكم وأقول لكم إلى اللقاء وفي رحمة الله.